bornes, ma tombe, il buvait des cafés frappés avec des pages. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait à pas contourner boulevard Raspail. Il suivait des inconnus chaque soir le long des rues pour leur dire l'air ingénu. Il portait un peu trop tombé, il parlait par un homme à tombé, il buvait des cafés frappés avec des pas. Il était très imprudent car il risquait de se faire écraser tout le temps. Il fuyait en s'excusant tandis que les gens disaient en s'éloignant. Il portait un peu trop tombé, il parlait par un homme à tombé, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait à pas combiner boulevard Raspail. Il suivait d'une inconnue, lui parlait d'un air ému. En voici ce qu'on a retenu. Elle était très intéressée, se laissa très très vite inviter à prendre un bon café frappé avec des bras. Elle lui plaisait fortement, quand elle parlait il n'osait plus faire un mouvement. Elle riait de son étonnement, mais se laissa courtiser car justement elle aimait son feutre tombé, son parler par un homme à tomber. Aussi les cafés frappés avec des pailles. Elle était blonde platinée, elle était fortement parfumée, prenait un air détaché, un air canaille. Quand il lui disait chérie, vous êtes la femme de ma vie, même il ajoutait ces mots gentils. Babin, pouti 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 pouti. Plus tard ils se sont mariés, se la vie un ménage cinglé qui se balade à pas combiner boulevard Raspail. Il faut les voir dans un café, sur le comptoir, buvant frappé, des cafés frappés avec des pains.